Bienvenue sur ma chaîne YouTube, de nouveau moi Rose Mouni. Je vous ramène encore une recette super efficace qui agira en 7 jours sur vous pour vous débarrasser des calculs rénaux et toutes les douleurs et désagréments qui vont avec. Ici, je vais vous expliquer ce que c'est, quels sont les symptômes, mais surtout comment s'en débarrasser naturellement sans rien dépenser. Je vous invite donc à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Je vous dirai tout dans les moindres détails. Avant d'aller plus loin dans le sujet, j'aimerais vous dire que si jamais vous êtes intéressé par les problèmes de santé, les remèdes à la maison, comme cette vidéo, abonnez-vous ici et cliquez sur la clochette de notification pour recevoir tous nos conseils tous les jours. Et bien sûr, pensez à me laisser votre nom dans les commentaires, le pays depuis lequel vous m'écrivez, ça me donne toujours une idée du nombre de personnes et surtout du lieu où je suis suivie. Et cela me fait grand plaisir. Si tout à coup, vous avez des sensations douloureuses dans le dos, sous les côtes ou même encore sur le côté et que pendant quelques instants la douleur est très intense ou alors à d'autres instants cela diminue d'intensité, mais plus tard cela revient toujours à la charge. Cette douleur englobe aussi parfois les zones de l'abdomen et même les régions génitales. Ceci présente certains des signes des coliques rénales, l'un des problèmes causés par les calculs rénaux, également appelé cailloux dans les reins ou alors douleur rénale. Peuvent prendre de quelques minutes à quelques heures pour s'en aller comme on l'a dit plus haut. Les calculs rénaux se développent lorsque certaines substances dans notre corps, telles que le calcium, l'oxalate et l'acide urique, deviennent hautement concentrées en cristaux et forment dans les reins des cailloux qui au fil du temps vont développer dans les reins des calculs rénaux qui peuvent aller de la dimension de quelques millimètres à quelques centimètres. Généralement, ces infections rénales sont dues à un changement métabolique, de l'eau en quantité insuffisante dans le corps, de l'hypercalcémie, de la consommation d'acide urique élevé, de diverses maladies enzymatiques du rein ou même encore des malformations rénales, de l'obésité ou encore lorsque vous mangez fréquemment très salé ou même très sucré. Sachez aussi que certains médicaments favorisent la formation des calculs rénaux. Près de 80% des calculs rénaux sont en calcium. Le reste vient généralement des acides uriques. Ceci se fabrique dans le corps lorsque les personnes ont un faible pH d'urine. Le troisième type est constitué de pierres de calcium, de magnésium, d'ammonium, de phosphate. Ce type de calculs rénaux est connu sous le nom de pierre d'infection parce qu'il se forme plus souvent après que les voies urinaires aient subi des infections. Mes amours, avant d'aller plus loin, pensez à partager ceci pour que ça touche un maximum de personnes via les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Snapchat, Instagram. Avec un geste aussi simple, vous pouvez sauver des vies. Comme on le disait, les calculs rénaux peuvent migrer le long du tractus urinaire affectant le processus d'élimination d'urine. Plus la pierre est grosse, plus les symptômes sont notables. Mais la taille de la pierre n'est pas directement liée à la proportion et même à l'intensité de la douleur. L'emplacement et la façon dont la pierre avance dans les voies urinaires peuvent déterminer la sévérité des symptômes. En plus, la douleur peut également produire des nausées, des vomissements, de la transpiration, des douleurs abdominales, des ballonnements. Nous pouvons souvent uriner en petite quantité avec des sensations de brûlure et des changements dans l'urine, genre la couleur, l'odeur très désagréable. Les complications les plus importantes sont celles des voies urinaires associées à des coliques néphrétiques. L'hydratation est bénéfique et aide à prévenir la plupart des calculs rénaux. Attention, cependant, un gros apport de fluide est non recommandé en cas de colique rénale parce qu'elle peut augmenter la douleur. Donc, adopter un régime équilibré, riche en légumes et en fruits, limiter la consommation de sel, ceci peut aider à empêcher la formation de ces pierres. Contrairement à ce qu'on a dit plus haut, le calcium dans les aliments aide à prévenir les calculs rénaux. Mais sachez que le calcium acheté au supermarché ou même en complément alimentaire a été associé au risque de développer des calculs rénaux parce qu'ils sont très riches en enzymes bioactifs comme la phosphatase, les acides, la catalase, le diastasis, la déshydrogénase et bien d'autres. Mes amours, l'eau de coco, ça c'est une solution que je vous propose. C'est une alternative pour les reins. Ceci a également une teneur plus riche en calcium, en fer, en manganèse, en magnésium et en zinc. Comparé au jus de quelques autres fruits, l'eau de coco a un effet diurétique, améliore la santé rénale et permet de prévenir la formation quotidienne des calculs rénaux. La consommation d'eau de coco pendant 2 semaines conduit à la réduction
voire à la dissolution et à l'élimination des calculs rénaux. Voici le moyen le plus rapide de dissoudre les calculs rénaux, de s'en débarrasser naturellement grâce à la noix de coco. L'efficacité et les effets de ce traitement sont incroyables. Tout ce dont vous avez besoin est d'une jeune noix de coco verte. Parce que non seulement l'eau de cette noix de coco est utilisée pour ce traitement, mais aussi vous pouvez vous servir de l'écorce verte. Mettre ceci dans une casserole, faire bouillir cela dans 2 litres d'eau, couvrir la moitié. Une fois que l'eau bout, arrêtez la cuisson. Mettez cela dans un pot et couvrez avec un couvercle pendant 10 minutes. Ensuite, enlevez l'écorce de la marmite et remettez cela à cuire pendant 30 minutes. Buvez la préparation. Pour ceux qui n'ont ni accès à la noix de coco verte ou encore à l'eau de coco, vous pouvez trouver cela en vente libre sur Internet, via Amazon, Cdiscount. Je vous conseille de suivre ce traitement le soir avant le coucher. Répétez cette procédure pendant 3 à 4 soirs. Le matin au réveil, quand vous allez aller faire pipi, la couleur de l'urine sera laiteuse. Et bravo, vous vous êtes débarrassé des calculs rénaux. Donc continuez cela jusqu'à ce que la douleur et les symptômes disparaissent définitivement. Mes amours, n'hésitez pas. Je vous attends dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette recette. Lire vos avis sont très importants pour moi. Si vous êtes de ceux qui ne préfèrent pas commenter, alors laissez-moi un petit emoji ou même encore un cœur dans les commentaires pour savoir ce que vous avez pensé de la vidéo et si vous l'avez vu jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager ceci pour que ça touche un maximum de personnes. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne. Bisous, bisous.